Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer le traitement d'un cas pratique au niveau de la méthode d'écho complet. Pas de la vidéo, qui fait un exercice au niveau de la méthode d'écho complet. Ou est l'exercice qui fait les encours et les déchets. L'exercice d'application, on a l'entreprise Abdul spécialisée dans la fabrication de deux produits, au moins les cartables et les sacs à dos, à partir de deux matières, c'est le toile coton et le cuir. Le traitement des toiles coton entraîne un déchet de 5% avec des frais d'évacuation de 60 dirhams le mètre. Non? Il y a des déchets, dans ce cas, les déchets non vendables. Finalement, a des frais d'évacuation, soit des déchets non vendables, soit des déchets non réutilisables, soit des déchets réutilisables. Finalement, c'est un frais d'évacuation. Ou les déchets sans valeur, ou des frais d'entretien. Ou les frais d'évacuation, ou les frais d'entretien, ou les frais de nettoyage, les déchets de l'entreprise. Donc, ce sont des déchets sans valeur. Au moins, les déchets, les titres, aucun chasseur, des frais, soit des frais de transport, soit des frais de nettoyage, au moins les frais d'évacuation. Le toile coton, quand tu as mis nos 5 000, fais le mien, aucun chasseur, les 60 dirhams, comme des frais d'évacuation. Donc, qui disait, donc, le coût de production. Concernant le cuir, c'est entraîne un déchet de 10%. Mais les ramidaires d'un flot cuir, غطيه منه 10% مي هاد لو دي هاد 10% دو كوير ما غاداش تلاه سي فوندابل غنبيعوها ب 80 درهم دونك هاد لي ديشي سي فوندابل بحال لي ديشي فوندابل بحال لي ديشي غيتيليزابل سوا نبيعوهم سوا نعاودو نستعملوهم في ان اوتر برودوي هادو كيتنقصوا من لو كو دو برودكسيون كينقصوا لينا لو كو دو برودكسيون حيت الفلوس ديالهم غتدخل لونتربريز اما الاولين اللي غادي نزيدهم في لو كو دو برودكسيون حيت غيتلاحوا حيت حنا غنخسروا عليهم غنخسروا عليهم فلوس هذاك الشيء علاش غنزيدهم في لو كو دو برودكسيون دونك عندنا هادو لونسومبل دي ديشي اللي ممكن نشوف سي لي ديشي سون فالور هما اللي كنخسر عليهم فري دي فاكياسيون باش يتحيدوا من لونتربريز كنزيدهم في لو كو دو برودكسيون ou les déchets vendables ou les déchets réutilisables ou les déchets les tenbiyoum ou les tenaoun stamelouf un autre produit la fabrication d'un autre produit hado tait naqsoum le coût de production hiss dakhlna le flous dialom les renseignements pour le mois de juin 2020 sont les suivants on a l'état des stocks on a toile coton le cuir les sacs à dos les cartables les encours non a-t-il les encours dis-moi les encours concernant les encours au début de la période, ce sont des encours initiaux. Des encours initiaux. Les cartables, moi les cartables, les disent la période précédente, ou qu'ils ne me sont ils ne sont pas en fin de la période, ils ne sont pas le mois 6. Donc, ils disent le coût de production. Concernant à 50 250, 50 250, ce sont des encours à la fin de la période. Donc, ce sont des encours finaux. Les encours finaux qui sont les cartables qui sont en film, ou qui ne sont des produits finis. Ou quand ça a une évaluation, c'est 50 250. Donc, qui sont c'est les encours initiaux qui sont les encours finaux qui sont les encours initiaux qui sont le début de la période. Ou les encours finaux, mais qui vont être à la fin de la période. Pour la valorisation des stocks, la valorisation des stocks, la valorisation des sorties et le stock final, c'est le CMIP en fin de période. C'est le CMIP en fin de période. C'est le coût moyen unitaire pondéré en fin de période. Ou la AVIC qui met des stocks. Le CMIP en fin de période. Pour le tableau de répartition des charges, indirect, si on a le tableau de répartition des charges indirectes, dis-moi la première question, le tableau de répartition des charges indirectes. Dire la radic les sections auxiliaires, je fais les sections principales, je fais que la section principale, je fais les charges et la part de chaque produit.
les charges des sections principales, l'imputation des charges, les coûts, soit le coût d'achat, le coût de revient, le coût de production. L'achat et la consommation du mois de juin 2020, on a l'achat des toiles coton et de cuir, on a la main-d'œuvre directe de l'atelier 1 et de l'atelier 2, et on a la consommation des toiles coton pour les cartables ou pour les sacs à dos. Et on a la consommation de cuir aussi pour les cartables et pour les sacs à dos. On va dire simple calcul, ben je ne ferai le montant total de la consommation et les deux produits. Aussi pour la main d'œuvre, ben je ne ferai la main d'œuvre totale et les deux produits. Production et la vente des mois de juin de des cartables et des sacs à dos. La vente c'est pour des cartables et des sacs à dos. Et le travail demandé. On a là, compléter le tableau de répartition des charges indirectes, calculer le coût d'achat des toiles coton et de cuir et automatiquement la présentation du coût d'inventaire, des comptes d'inventaire permanents, calculer le coût de production des cartables fabriqués et présenter leur compte d'inventaire permanent, calculer le coût de revient et les résultats analytiques des cartables et des sacs à dos. La première question, c'est de compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Le tableau de répartition des charges indirectes, les sections auxiliaires et les sections principales. Mais le total de répartition secondaire, les sections analytiques des sections auxiliaires, on a des entretiens personnels, zéro. Les sections principales. La prestation réciproque, mais qu'est-ce qu'on a dit entretien à tel personnel ou à tel les autres sections? La section analytique entretien, les charges de la section analytique entretien, à la personnel ou à les autres sections principales. Même chose pour personnel. C'est qu'est-ce qu'on fera à la section analytique entretien ou les autres sections principales. Une prestation réciproque. Mais qu'est-ce qu'on a dit? La prestation croisée ou la répartition croisée. Mais les deux sections auxiliaires ou les sections principales. Donc la première équation, le montant, la section analytique entretien, le montant de la charge à répartir, qui compte l'intersection. Entretien, colonne. La colonne ou à des entretiens la ligne. Ou le montant les retfarrak. Dans ce cas, c'est 47 000 moins entretien. Le E, il est chasnelka. D'être moins, ou le montant les retfarrak. Plus 15% personnel. 15% personnel. Donc, la section analytique entretien, 15% des charges de la section analytique personnel est égal 0. C'est la première équation. La deuxième équation, c'est la section personnelle. C'est 74 100 moins 10% entretien. Donc, la section analytique personnelle, 10% des charges de la section analytique entretien. Ou le montant à répartir, c'est moins P. Donc, 64 moins P, ou le montant de la charge des sections personnelles, les riches farrak, alors les sections principales, ou alors section entretien. Donc, est égal 0. 74 100 plus 10% entretien, moins les charges de la section personnelle, est égal 0. C'est la deuxième équation. Donc, là, on a dit juste les équations. Juge de l'équation, c'est le E est égal au P est égal. Donc, les deux équations étaient équivalentes. La première équation, c'est entretien est égal 47 100, 47 000, c'est pas 15% des charges de la section analytique personnelle. Ou, c'est P est égal 74 100 plus 110% entretien. A dit entretien. Puis, par la méthode de remplacement, on remplace P par sa valeur dans la première équation. Donc, la première équation devient, c'est
entretien est égal 47 000 plus 15% P, هذيك P غنعوضها 74 100 plus 10% entretien. Facteur 15% facteur de 74 100 plus 10% entretien. OC est équivalent. Entretien est égal 47 100 plus 15%. 15% fois 74 100 plus 15% fois 10% entretien. Elle dit 15% en A fois 74 000 ou 100 plus 15% fois 10% entretien. On dit c'est équivalent. Entretien est égal 58 115. 47 100 plus 15% fois 74 100, غتعطينا 15% في 10% غتساوي 0.015% 0.015 E entretien. Donc entretien moins 0.015 entretien. 0.015 entretien, j'ai pas entretien est égal 58 115. Donc entretien facteur 1 moins 0.015 est égal 58 115. Donc entretien est égal 58 115 مقسومة على 1 ناقص 0.015. Donc entretien est égal 59 000. 59 000 نعوضها في la deuxième équation باش نلقى les charges de personnel. Personnel. Donc, on remplace E par sa valeur dans la deuxième équation. Donc, deuxième équation devient, c'est P est égal 74 100 plus 10% fois 59 000. Naoud, entretien, Aïna, c'est P est égal 74 100 plus 10% entretien. Entretien, on 59 000. Donc, P est égal 74 100 plus 5 900. P est égal 80 000. P est égal 80 000 dirhams. Donc, il va se faire E, 59 000. E, qui n'a pas le personnel 10%. On va sortir l'approvisionnement 40%, on va sortir l'atelier 20%, 20%, on va sortir l'atelier 2 de 30%, on va sortir la distribution. Et pour le personnel, on va sortir l'entretien 15%, on va sortir l'approvisionnement 20%, on va sortir l'atelier 1 10%. On va sortir l'atelier 2, 15%. On va sortir la distribution, 30%. On dit le total. Le travail, c'est comme suit. On a 59 000, c'est entretien. C'est moins 59 000. Personnel, c'est moins 80 000. Donc, on va faire 59 000. On va faire le personnel. C'est 59 000 fois 10%. On va sortir 5 900. Pour l'approvisionnement, 40%, c'est 59 000 fois 40%. À certaines, 23 600. Pour l'atelier 1, c'est 59 000 fois 20%. À certaines, 11 800. Pour l'atelier 2, c'est 30%. À certaines, 17 700. On va qu'il y ait une distribution. On va qu'il y ait une distribution. On va qu'il y ait 17 700 plus 11 800 plus 23 600 plus 5 900, ça va donner 59 000. D'abord, on va faire 80 000. 80 000, ça va donner 15%. L'entretien, ça va donner 12 000. On va donner l'approvisionnement, c'est 20%. Ça va donner 16 000. Ou pour l'atelier 1, ça va donner 10%. Donc, c'est 8 000. Ou pour l'atelier 2, ça va donner 12 000, 12 000, c'est 15%. C'est 80 000 fois 15%. Et pour la distribution, 30%. Donc c'est 24 000. C'est 80 000 fois 30%. C'est 24 000. Donc, je vais faire le total de répartition primaire. Quand je mets le total de chaque section,
Pour entretien, c'est 47 000 moins 59 000 plus 12 000, ça donne 0. Personnel, c'est 74 100 plus 5 900 moins 80 000, ça donne 0. Pour l'approvisionnement, 55 400 plus 23 600 plus 16 000, ça donne 95 000. Pour l'atelier 1, ça donne 119 250. Pour l'atelier 2, ça donne 750 000. Pour la section distribution, 168 800 plus 24 000, ça donne 192 800. De même, chauffe le nombre de l'unité d'ouvre. Le nombre de l'unité d'ouvre, quelqu'un à partir de la nature de l'unité d'ouvre. C'est 1 mètre de matière première achetée. 1 mètre de matière première achetée. Quand c'est le mètre acheté divisé par 1. Les mètres, les chrismes, toi, le coton, ou le cuir, on a acheté 3 000 mètres de cuir et 2 000 de toile coton, donc c'est 5 000. Bach le coût de l'unité d'ouvre, quand c'est le total de la répartition primaire, on casse là le nombre de l'unité d'ouvre. C'est 95 000 divisé par 5 000, ça tenait 19. Ça tenait 19. Pour l'atelier 1, c'est le 1 mètre de matière première utilisée. C'est les matières consommées, c'est le cuir, les mètres de cuir et de toile coton consommés. La consommation de toile coton et de cuir, c'est 2700 de cuir et 1800 mètres de toile coton. Donc c'est 4500. C'est le total de répartition primaire, le nombre de l'unité d'ouvre, c'est 119 250, 4500. 26,50. Pour l'atelier 2, à dit l'heure de main d'ouvre direct. Quand on a les heures de main d'ouvre direct, les chassables l'atelier 2. Bordeaux. Donc c'est 2000 heures. 2000 heures, elle finit les chassables l'atelier 2. Donc c'est 2000. Donc 150 000 divisé par 2000, mais ça tenait le coût de l'unité d'ouvre. C'est 75. Pour la distribution, concernant la distribution, on a 100 dirhams du chiffre d'affaires. À 100 dirhams du chiffre d'affaires, c'est-à-dire le prix, la quantité vendue fois le prix de vente divisé par 100. Divisé par 100. Dis-moi la quantité vendue fois le prix de vente divisé par 100. On a un dit de produits, c'est-à-dire la quantité de vendue fois le prix de vente des premiers produits plus la quantité vendue fois le prix de vente des deuxièmes produits ou kulchi maqsoum ala 100. C'est 1450 fois 900 dial les cartables plus 1300 fois 850 dial les sacs à dos divisé par 100. Rajatini 24 100. Donc le coût de l'unité d'ouvre 192 800 مقسوم على 24 100. ديما كناخذ لو توتال دو ريبارتيسيون بريمير مقسوم على لو نومبر دو لينيتي دوفر اساتيني 8. Pour le premier élément qu'on va traiter, deuxième élément qu'on va traiter, c'est le coût d'achat. Concernant le coût d'achat des toiles coton et du cuir. Pour le calcul du coût d'achat, le premier élément, c'est les charges directes. Concernant les charges directes, dis-moi qu'on a le prix d'achat des matières. Le prix d'achat des matières, soit des toiles coton, soit des cuirs. La quantité achetée, c'est 2000 fois 160, c'est 120 000. Et pour le cuir, on a acheté 3000. Et le prix d'achat, c'est 220. Ça atteint 660 000. Pour deuxième élément, c'est les charges. Quand d'autres charges directes, qui disent, quand ça dit les frais de réception, les frais de contrôle, là, quand on atteint une information, on a des charges directes. Quand on dit, le prix d'achat des matières. Les charges indirectes, disent, le tableau de répartition des charges indirectes. C'est pour les achats, c'est les frais d'approvisionnement. Il y a la section analytique, les achats. C'est les frais d'approvisionnement.
Concernant les frais d'approvisionnement, le nombre de l'unité d'ouvre, j'ai bien les mètres achetés. Un mètre acheté de matière achetée. Un mètre de matière achetée. Donc les mètres achetés, pour toile coton, c'est 2000. 2000 fois 19 est égal 38 000. C'est 38 000. Et pour le cuir, c'est 3000 fois 19. C'est 57 000. On a le coût d'achat pour la quantité, mais quand je mets la colonne des quantités, quand dire la quantité achetée, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a là. La quantité, l'ishrina, c'est 2000. Ou quand je mets la valeur, 320 000 plus 38 000, c'est 358 000. 358 000, les 2000, divisé par 2000, parce qu'on ne sait pas le coût unitaire d'achat, c'est 179. Aussi, pour le cuir, on va utiliser la quantité achetée. C'est 3000. On met le total de la valeur. C'est 660 000 plus 57 000, c'est 717 000. Divisé par 3000, ça donne 239 000. Donc, c'est le coût d'achat des toiles coton et de cuir. Donc, d'abord, on sait. On dit le tableau des comptes d'inventaire permanent. Le compte d'inventaire permanent, parce qu'on arrive, on reconnaît les sorties à la consommation. Le compte d'inventaire permanent, parce qu'on dit l'évaluation des sorties et des stocks finaux. Donc, le compte d'inventaire permanent du toile coton, on a le stock initial. Concernant le stock initial, déjà un défi donné. Voilà, toile coton, on a 200 mètres à 190 dirhams, c'est le stock initial. Le stock final, c'est 350. Pour le cuir, on a 300 mètres, 250 dirhams, ou le stock final, c'est 640. Donc, c'est 200 fois 190, ça atteint 38 000. Pour l'élément suivant, c'est les entrées. Les entrées, c'est le coût d'achat. Le coût d'achat, ou le kinadina, ou à partir du coût d'achat. Ou le coût d'achat. C'est 2000 fois 179 est égal 358 000. Quand dit le total des 8, c'est 2200. Quand je mets le total des valeurs, c'est 396 000. Quand ça met à la 2200, je t'atteins 180. C'est le coût, le CMIP en fin de période. C'est le CMIP en fin de période. On a la partie crédit, c'est les sorties. Les sorties, c'est concernant la consommation. La consommation des toiles coton par les cartables et par les sacs à dos, c'est 1800. Voilà, c'est. La consommation des toiles coton, c'est 1800. La consommation du cuir, c'est 2700. Donc, c'est 1800 fois le prix de l'Elkaïs, fois le CMIP en fin de période, c'est fois 180. Fois 1800, ça atteint 324 000. C'est-à-dire le coût de production. Puis, le stock final, c'est 350 parmi les données. Fois 180, ça atteint 63 000. Donc, total crédit, ce qu'on connaissait, oui, total débit 2200 fois 180, 396 000. Suivons le principe de la partie double. Total crédit, c'est le total débit. Alors, on a dit, la quantité totale des quantités, 1800 plus 350, et là, ça atteint 2150. Bakahassani, 50. Donc, le cas, c'est 50. Donc, c'est un mali. Donc, là, l'entreprise, rachna khasrin, 50 mètres. Donc, mali, plus 50 fois 180, tatina, c'est plus 9 000. Fla l'qaïtch, khas, ouzet, c'est mali. L'qaïtch, zeid, onqast, c'est un boni. Donc, nous chi. Le compte d'inventaire permanent. Donc, c'est l'utilité d'elle, le compte d'inventaire permanent. D'elle, l'évaluation d'elle, les sorties ou le stock final. Ou c'est le cas dit un mali ou le bon, jusqu'à l'entreprise chasse ou les rabbins les éléments de stock. Donc, sur le compte d'inventaire permanent de cuir,
On a toujours ces stocks initiaux, c'est 300 fois 250, c'est 75 000. Déjà, là, qui n'a fait les données. D'abord, les entrées, c'est le coût d'achat de cuir, c'est 3 000 fois 239, c'est 717 000. 717 000. Le total des billes, donc des 3 300, je mets le total des valeurs, 75 000 plus 717 000, c'est 792 000. Donc, ça m'a l'air 3 300, ça a 240. C'est le CMIP en fin de période. Je vais dire l'évaluation du stock final et des sorties. Concernant la sortie, c'est la consommation, c'est 2 700 mètres pour les cartables ou pour les sacs à dos. Donc, fois 240, ça atteint 648 000. Pour le stock final, c'est 640 fois 240, ça atteint 153 600. Le total crédit, c'est 3 300 fois 240, 792 000. On chauffe, on a de l'égalité, mais on a un début ou le crédit. Mais c'est là que 2 700 plus 640, à certaines 3 340. Donc, on a dit 40 mètres zéda. Où il en casse ça, c'est un bonnet. Donc, moins 40 fois 240, à certaines 9 600. C'est le compte d'inventaire permanent de cuir. On chauffe le coût de production de les cartables ou de les sacs à dos. Donc, c'est la présentation des coûts de production des cartables ou des sacs à dos. Le premier élément, les cartables, au moins les encours initiaux. Les encours initiaux, au moins les produits, les bdina la période les fêtes, ou ma kemmelnaomch. Ken kemmelom fad la période. Mais c'est l'indien le mois 5 ma kemmelouch, gan kemmelouhom le mois 6. Les encours initiaux. Des maquillages ou les encours initiaux, admettent seulement pour les cartables. C'est plus 37 000 qui n'est pas nécessaire les cartables, mais qui n'est pas les sacs à dos. Les sacs à dos, les qui n'ont jamais fait le mois 5, tout ce que maintenant. Mais les qui ont les encours initiaux, qui ont les charges directes. Concernant les charges directes, qui ont dire le coût d'achat des matières consommées. Ça veut dire le coût d'achat des toiles coton. Consommé, coût d'achat de toile coton consommé, c'est même le coût d'inventaire permanent. Pour les cartables, c'est 1000, 6000 à 180, 6000 à 180, c'est 180 000. Mais le site, on a ici, c'est la consommation de toile coton, c'est 1800 mètres, dont 1000 mètres. Pour les cartables. Les cartables, c'est 1000 mètres. Pour le cuir, on a dit 2700. Les cartables, c'est 1500. Ou dès que je les réponds, c'est pour les sacs à dos. Voilà, pour les toiles coton, on a 1800. Fih 1000, les cartables, 800 de les sacs à dos. Ou à ce moment-là, on a l'évaluation ou la valorisation de 180 dirhams. Donc, pour les sacs à dos, c'est 800 fois 180, ça atteint 144 000. Puis, le coût d'achat de cuir consommé, c'est 1500. C'est 1500, 240. Et je sais bien, au niveau de compte d'inventaire permanent de cuir, ça atteint 360 000. Ou, je sais bien, les sacs à dos, on a dit 2700. Les sacs à dos, c'est 1200. 1200. C'est 240, c'est 280 000 dirhams. Donc, l'ertiagis, ben, je ne sais pas les sacs à dos, l'ertiagis 1200 d'yel les cuirs ou 800 mètres d'yel les toiles coton. Ou pour les cartables, l'ertiagis 1000 mètres de toile coton et 1500 de cuir. Donc, on joue d'abord la main d'ouvre directe. La main d'ouvre directe, ce qui n'a dit juste les ateliers. Qui n'a dit l'atelier 1. Pour l'atelier 2, pour l'atelier 1, on a 2400 d'or, 1500 d'or, c'est pour les sacs à dos. Ou pour l'atelier 2, on a 2000, 800 d'or, c'est pour les sacs à dos. On a 2400, 1500 pour les sacs à dos, ou le reste 900 pour les cartables.
On a 2800 pour les sacs à dos, les refrains, c'est pour les cartables. Voilà, c'est 900, 940, 36 000. 1500 de fois 40, ça tenait 60 000. Pour l'atelier 2, pour les cartables, c'est 1200 fois 50, c'est 60 000. Ou pour les sacs à dos, c'est 800. 800 fois 50, c'est 40 000. Et le mécanicien a d'autres charges directes, la production, que nous les charges indirectes. Les charges indirectes, on a les frais d'atelier 1. Concernant les frais d'atelier 1, la nature de l'unité d'œuvre, c'est par les matières utilisées. Ou les matières utilisées pour les cartables, dans ce cas, c'est 1000 plus 1500. C'est 2500 mètres. 2500 mètres fois 26,5, c'est-à-dire le tableau de répartition des charges indirectes. C'est 66 250. Ou pour les sacs à dos, c'est 2000. 2000 fois 26,50, ça fait 53 000. Pour les frais d'atelier 2, dernière évaluation des nombres de nuits d'ouvre à partir des heures de main d'ouvre directe. Rejoins le tableau de répartition des charges indirectes, mais les frais d'atelier 1 ou les frais d'atelier 2. Voilà, on a les frais d'atelier 1, c'est 4500, 4500 de l'atelier 1, via cuir, c'est 2700, ou via la toile coton, c'est 1800 mètres. On a les renfarrakom, les cartables bouhda ou les sacs à dos bouhda. Pour l'atelier 2, à 10 2000 heures, via une partie de l'écartable ou via une partie de les sacs à dos, 75. Donc pour l'atelier 2, pour l'écartable, c'est 1200 fois 75, ça fait 90 000. Pour les sacs à dos, c'est 800 fois 75, c'est 60 000. Ou à باش فرقنا هاد لوغ دو مان دوفر ديريكت راه كاين عندنا تايف لي دوني فوالا بوغ لو لا مان دوفر ديريكت دو لاتولي دو عندي 2000 اور هي 800 خداتها لي ساكادو و 1200 بقاو عند لي كارطاب واشي اللي درنا سي 1200 فوا 75 سي بوغ لي كارطاب 1200 بوغ لي ساكادو سي 800. دابا غنشوف لي فري ديفا كنشوف لي ديشي سون فالور فيهم لي فري d'évacuation. Les frais d'évacuation se concernent c'est 1000 fois 5% se concernent toile coton 5%. Donc à 10 000, la quantité consommée c'est 1000 fois 5%, parce que la quantité c'est 50 fois le coût unitaire des frais d'évacuation concerne chaque mètre, c'est 60. Voilà, c'est toile coton, c'est un déchet, c'est 5%. Ou des frais d'évacuation, 60 dirhams. Pour les cartables ou pour les sacs à dos. On a les déchets pour le cuir, c'est 10%, mais vendable de 80 dirhams. Donc c'est 50 fois 60, c'est plus 3000. Non, qui est zéro le coût de production. Soit transport, soit des frais d'évacuation. Le déchet de 5% la quantité consommée de 1000. Pour les sacs à dos, donc c'est 800 fois 5%. 800 mètres fois 5%, c'est 40 fois 60, c'est plus 2400. Finalement, récolte des chiffres sans valeur, c'est le montant de l'homme, le coût de production. Pour l'élément suivant, c'est les déchets vendables. Concernant les déchets vendables, c'est concernant le cuir. On représente 10% les matières consommées. C'est 1500 fois 10%, à certaines 150. Ou qu'un locaux unitaire
Le prix de vente unitaire, c'est 80. Donc 150 fois 80, c'est moins 12 000. Donc, on le coût de production. Je vais compter déchets vendables, ou les déchets réutilisables, le coût de production. Les déchets sans valeur. Au moins, les radins, ils aident le coût de production. Et pour les sacs à dos, c'est 1200 fois 10%, c'est 120 fois 80, à certains, moins 9600. Pour l'élément, ce dernier élément, c'est les encours finaux. Les encours finaux, au moins les produits libdina au cours de cette période, au moins que maintenant, qu'est-ce qu'on a des encours finaux. بدينا نصايبو دي كارطابل وما كملوش ما كملوش دونك غادي نقصهم من لو كو دو برودكسيون هاد لي زونكور فينو كاينين عا في لي كارطابل سي موان 50250 درنا لهم لي فالياسيون لقيناهم 50250 دونك غنقصهم من لو كو دو برودكسيون بور لي ساكادو كلشي لي برودوي اللي كنا بادين في كلشي لي ساكادو اللي كنا خدامين فيهم كملناهم دونك لو كو دو برودكسيون La quantité, qu'on dit la quantité produite. La quantité produite, c'est 1000. C'est 1000 cartables. Voilà, c'est la quantité produite, c'est la production du mois. C'est 1000 pour les cartables, 1200 pour les sacs à dos. Ou c'est la quantité vendue. Puis, rendez le total des valeurs, c'est 37 000 plus 180 000 plus 360 000 plus 36 000 plus 60 000 plus 66 250 plus 90 000 plus 3 000 moins 12 000 moins 50 250. Ça fait 770 000. Maximum à la 1000, ça fait 770. C'est le coût unitaire de chaque cartable. C'est le coût global, c'est 770 000 dirhams. Je vais la fabrication des cartables, des 1000 cartables. Ou chaque cartable, je vais mettre 770. Pour la quantité des sacs à dos, la quantité produite c'est 1200. Quand je mets le total de la colonne des valeurs, donc on a atteint 637 800, on a 1200, on a atteint 531,5 dirhams. À des locaux unitaires, ou 637 800, ou le coût global, c'est 1200 sacs à dos. D'abord, on chauffe le compte d'inventaire permanent des cartables ou des sacs à dos. Donc, le compte d'inventaire permanent des cartables, on a le premier élément, c'est le stock initial, c'est 800 cartables fois 837,5, c'est 670 000. Puis, l'entrée, les entrées, c'est la production, c'est le coût de production des cartables. Le coût de production des cartables, c'est 1000 fois 770, c'est 770 000. Le total débit, quand je mets le total des quantités, c'est 1800. Je mets le total des valeurs de la colonne des valeurs, c'est 1 440 000. C'est le CMIP en fin de période. Pour les sorties, c'est les ventes. Les sorties des ventes, je vais dire les cartables, 6 450. C'est le coût, c'est le CMIP en fin de période. Certains 1 160 000 dirhams. Pour le stock final, c'est 400 fois 800, certains 320 000. On dit que le total débit est égal au total crédit. Donc on a 10 450 plus 400, certains 1 800, certains 1 850. Donc on a dit un bonus de moins 50. 1850. Donc, on cause 50 pour nous sommes 1800. Donc, on a 50 pour 1800, moins 40 000. C'est le compte d'inventaire permanent du cartable. On a la fabrication de chaque cartable. C'est de 800. Ou on a l'évaluation de le stock final. C'est 800. On chauffe le compte d'inventaire permanent des sacs à dos. On a le stock initial. Concernant le stock initial, on a dit que j'ai les données. Voilà le stock initial. Des sacs à dos, c'est
300 fois 624. Ou a dit le stock final, c'est 150. Pour les cartables, a dit 800 fois 837,5, c'est le stock initial. Ou a dit 400, c'est le stock final. C'est 300 fois 624, c'est 187 200. Pour les entrées, c'est la production. Concernant c'est le coût de production, c'est 1200. C'est 1200 fois 531,5, ça atteint 637 800. Où est le coût de production? Donc, total débit, c'est 1500. Pour le total, la colonne des valeurs, c'est 825 000 divisé par 1500, c'est 550 dirhams. C'est le CMIP en fin de période. Pour les sorties, c'est les ventes, c'est 1300 sacs à dos qu'on a vendu. Ce qu'on va vendre, c'est 1300 sacs à dos les radins bio. C'est l'évaluation dialogue, c'est 550, c'est 715 000. Le stock final, c'est 150 fois 550, ça atteint 82 500. Qu'on veut dire le total crédit. Total crédit, c'est 825 000. C'est égal au total débit. Donc, dans ce cas, on a ces 1450, soit 1500. Donc, Hassana, 500, je lance le total. Donc, Adna, plus de 500. Donc, Adna, Hassara, 50 mètres. Donc, bonnet de 50 mètres fois 550, ça atteint 27 500. D'abord, on chauffe le coût de revient. Le coût de revient des sacs à dos et des cartables. On a premier élément, c'est les charges directes, c'est le coût de production des produits vendus. Le CIP pour les cartables, c'est 1450 fois 800. Où est le CIP? Voilà, c'est 1450 fois 800 est égal à 1 160 000. Où est le KMC, le coût de revient? Voilà, c'est 1 160 000. Pour les sacs à dos, c'est 1300. C'est aucun jibou, mais le compte d'inventaire permanent. Voilà, c'est 1300 fois 550, ça atteint 715 000. 1300 fois 550, ça atteint 715 000. Puis les charges indirectes, c'est les frais de distribution. Les frais de distribution, on dit le tableau de répartition des charges indirectes. Alors maintenant, c'est pour les cartables, c'est 1450 fois 900 sur 100. C'est la quantité, les cartables. Ou le coût de l'unité d'œuvre, c'est 800. Ou pour la quantité, les sacs à dos, c'est 1300 fois 850 divisé par 100. Ou le coût de l'unité d'œuvre, c'est 800. Voilà, c'est pour les cartables, c'est 1450 fois 900 divisé par 100, ça atteint 13 050 fois 8, ça atteint 104 400. Pour les sacs à dos, c'est 1300 fois 850 divisé par 100, ça atteint 11 050. Ou les 11 050. Donc le maximum reste à 24 100. Donc si le Canada total est négatif, le tableau de répartition des charges indirectes. Donc 6 fois 8, ça atteint 88 400. Pour le coût de revient, c'est la quantité vendue, c'est 1450. Pour le coût de revient, quand dire la quantité vendue. Quand je mets le total des comptes, quand dire la quantité vendue. Quand je mets le total des valeurs, certaines, c'est 1 264 400 divisé par 1450, ça atteint 872 000. C'est le coût de revient. Chaque cartable, c'est 872 dirhams. Pour les sacs à dos, c'est 1300. On met le total des valeurs, c'est 803 400 divisé par 1300, certaines, c'est 618. Chaque sac à dos, coule la sac à dos, c'est 618 dirhams. Au total, le coule chez les sacs à dos, c'est 803 400. Demain, chauffe le résultat analytique des cartables et des sacs à dos. Le premier élément, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est 1450 fois 900, à certaines,
1 350 000. Qu'est-ce que les ventes? Addez la quantité vendue fois le prix de vente. C'est le chiffre d'affaires. Ça donne 1 305 000 dirhams. Pour les sacs à dos, c'est 1 300 fois 850. C'est la quantité vendue fois le prix de vente. Ça donne 1 105 000 dirhams. Pour le coût de revient, c'est 1 400, on dit le compte d'inventaire permanent, soit des cartables, soit des sacs à dos, le montant qui me voit. Voilà pour les cartables, 6 450 fois 800, à certains, 1 160 000. 1 160 000. Si le coût de revient, c'est 1 450 fois 872, ça atteint 1 264 400. Pour le coût de revient des cartables, ou le coût de revient des sacs à dos, c'est 1 300 fois 618, ça atteint 803 400. 1 450 fois 872, ça atteint 1 264 400. Ou 1 300 fois 618, ça atteint 803 400. Donc, pour le coût de le coût le résultat pour le résultat analytique, la quantité vendue c'est 1 450. Pour les valeurs, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins le coût de revient, c'est 40 600, c'est-à-dire 1 305 000 moins 1 264 400, c'est-à-dire 40 600. Donc, faites les cartables, un montant global 40 600. Ou pour chaque cartable, rachète 40 600 pour somme là 1 450. Ça atteint 28 dirhams chaque cartable. Chaque cartable rachète 28 dirhams. Pour les sacs à dos, la quantité vendue c'est 1 300. C'est 1 300 pour le résultat global, c'est 1 105 000 naqis 803 400. La certaine 301 600, 301 600 dirham. Le montant global li gharbah fli sac à dos. Ou bach n'arraf chal gharbah chaque sac à dos, c'est 301 600 divisé par 1 300. À certains, 232 000 dirhams. 232 000, c'est le résultat analytique des cartables et des sacs à dos. La vidéo prochaine, inchallah, rendez-vous.